Bonjour, mon nom est Pascal, j'habite le Laonie 6 et j'ai pris possession en septembre 2010. Ils ont un souci pour l'avant-gardiste, c'est-à-dire qu'ils sont toujours à l'avant-garde au niveau de leur design. La qualité de leur finition, je pense qu'ils savent bien mettre les priorités sur ce qui est important. L'unité que j'ai choisie, c'était une première unité pour moi, donc c'est un premier achat. Donc je pense que c'était une bonne manière de m'introduire sur le marché de l'immobilier. C'était pas trop gros, c'est pas trop petit. Pour mon style de vie, moi, le 569 pieds carrés, ça me convient, il n'y a pas de problème. L'élément que je préfère dans le projet, je dirais la facilité des services que le Laonie 567 peut m'offrir. Donc, service de barbecue, service de piscine, il y a une salle communautaire. J'ai choisi l'emplacement actuel pour la proximité du centre-ville. Je suis une personne qui travaille en ville, je marche beaucoup, j'ai pas de voiture, donc pour moi c'était parfait. Ce que je pense du quartier Griffintown, je pense que c'est un quartier qui est en pleine effervescence. Le fait que l'autoroute Bonaventure va être convertie en boulevard urbain, ça va donner beaucoup de cachet au quartier. La proximité du centre-ville, les bars, les restos qui sont en ce moment en pleine effervescence aussi. Pour le type de vie que moi j'ai, ça me convient parfaitement. La clientèle, c'est jeune, c'est actif, la proximité du canal, il y a le marché Atwater qui n'est pas très loin. Tout ça, c'est des éléments qui font que Griffintown, ouais, dans quelques années, puis même si elle est déjà, c'est vraiment un quartier qui est très agréable.